En rentrant dans ma cellote, à la 127 premier étage, il y avait ma gamelle posée sur la table, toute chaude qui m'attendait. Vite fait, bien fait, un petit sandwich. J'ai rejoint mes collègues en promenade. C'est pratiquement le seul endroit où l'on peut se voir, se croiser. À la douche aussi. Par contre, on reste en caleçon, pas par pudeur, mais par respect. Elles sont bien les douches. Je sais de quoi je parle. J'ai écrit le guide Michelin des Zanzans. Ici, on a la promenade le matin et l'après-midi. Au B2, il n'y a qu'une promenade. Je vous dis pas comme c'est dur, surtout si tu es à la bougeotte comme moi. Ici, il n'y a pratiquement que des minots. Ils me surnomment David le grand frère. C'est des fadas, ces minots. À la cellote 5 au rez-de-chaussée, il y avait des femmes. Je m'en suis rendu compte car il y avait des trucs écrits sur les murs, sur les lits. Tu me manques de lit, mon bébé. Je suis tombé à 13 ans. J'avais peur de tomber sur mon père. Bon, dans un sens, je savais que je le mériterais car j'avais déconné. Là où je suis, j'ai une sale vue sur de longues plaques en tôle. Je ne vois pratiquement pas le ciel, comme si on était au cachot. Ici, pour les cantines, ils te donnent un ticket. On va aller chercher à 13h, on vérifie chaque œuf. Tu peux continuer un ventilo aussi. Je me souviens d'être parti au palais. Quand je suis revenu, j'ai retrouvé ma cellote en vrac. Ils ont trouvé deux petits bordels cachés dans des patates. C'était ma cachette que j'ai fabriquée moi-même. J'ai coupé plusieurs patates en deux. J'ai creusé l'intérieur. Et pour les faire tenir, j'ai mis des allumettes avec les petits bordels dedans. Puis je les ai remis au milieu du sac de patates. Je me souviens que j'étais à la 5 au rez-de-chaussée et que le soir, des tonnes de parachutes tombaient à l'intérieur de l'enceinte, juste devant ma fenêtre. Moi, personnellement, je ne reçois pas de parachutes. Car ici, les trois quarts des gens sont des donneurs, des donneuses. Ils balancent pour des grâces, pour des permissions ou simplement par jalousie. Je sais pratiquement tout ce qu'il se passe ici, tellement ça parle. Tout ce qui est turfu, le russe, la pia et tout ce qui s'ensuit. Chez moi, il n'y a pas de souris qui passe pour me ramener des cassettes, du shit ou autre. Par contre, les yo-yo, comme on dit ici, je reçois souvent. Pour vous dire, hier soir, mon collègue d'à côté m'a fait parvenir un bon couscous. Un vrai régal. Il a tellement de yo-yo que vous les voyez de partout, accrochés aux fenêtres, dans les arbres. Les gens d'ici ne sont pas des crapules, mais plutôt des crapulax. Crapulax. Dépression. 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 Dépression.
vous raconte l'histoire de la relation du temps, l'attachement des frères à une sœur, la fierté de montrer l'égalité d'une femme envers l'homme. Trop de problèmes dans ma tête, j'ai des nœuds aux cheveux. J'ai des nœuds dans la tête, des idées qui coincent. Plus je tire, plus je douille, plus je travaille. Je cherche une paire de ciseaux pour couper la natte, la jeter à l'eau. La différence montre la complicité de l'homme à la femme, mais rarement mise en valeur aux yeux de la société. Enlevez vos préjugés des images qui nous ont été données de l'homme envers la femme. Cette image est un symbole contre la discrimination divulguée par cette société qui est faussée. Je n'ai pas de peine, aucune différence de l'un à l'autre, et tant de problèmes quand je traîne tard sur la plaine. On est tous unis, mais on n'a pas toujours la même haine. Tard, beaucoup d'idées, peu de finesse. Le regard vide vers le bas, signe de tristesse, mais le reste de la solidarité de chacun. Une part de vérité que l'homme n'est rien sans la femme et la femme n'est rien sans l'homme. Comme un enfermement, bras et corps liés d'une sorte de privation de liberté. De faits et gestes, prends avec toi les graines de ta faiblesse. À l'endroit, à l'envers, dos à dos, comme oiseaux inséparables, mon lien est tellement nouveauté comme toi. Des temps, des périodes, des miroirs incassables. Une envie de briser ces liens qui nous attachent. Profiter de chacun de ses envies, de ses rêves. Se retrouver face à face, ensemble, se redécouvrir. Partager ces moments passés, se raconter nos souvenirs d'avant que nous avons partagés. Orteils, les planter dans le sable. Ouh, ça me ferait agréablement plaisir. J'ai chaud. J'ai les orteils qui gonflent. J'ai les chevilles qui rouillent. Les cuisses qui transpirent. J'angoisse. Enfin, heureusement, j'ai toute ma petite panoplie. Je vais pouvoir mettre du gaz dans mon zippo. Faire mes petits collages du dimanche. Éventuellement, quoi. Pourvu que le rendez-vous se passe bien. Et quelle chaleur. 35 degrés. 35 degrés. Et moi, j'ai osé mettre ce jean bleu électrique. Quel fou. Quel malade. Là, dans ce cas, je peux que m'en prendre à moi-même. Mais honnêtement, si je serais pas avec maman, ben... J'aurais bien filé mon petit short hawaïen et surfé sur cette brise, puis la casser. Il n'y a pas que de la merde dans ces magazines. Toutes ces gonzesses à poil, ça fait peut-être plaisir à mon fils, mais enfin moi, ça me distrait deux minutes. Enfin, moi, c'est surtout que je suis préoccupée. Je fais que penser à ce médecin, il va me dire quoi ? Il va me trouver un cancer, un kyste. Il va me dire d'arrêter de manger du sucre, du gras. J'ai juste envie qu'on me foute la paix. Putain. Oh. Petit coca bien frais. Ouais. Honnêtement, je remercie maman. Merci maman pour ce coca bien frais. Et je suis quand même forcé aussi à venir. J'ai pas eu le choix. Et puis attendre. Attendre un bon résultat. Que ma mère s'inquiète pas.
Vois-tu dehors, vois-tu dedans. Quand je m'endors, vois-tu devant. Le vent, la brise, le vent, la brise. Une vague, la mer. Il était une fois l'amour. De trois oranges et puis je cours. Trois, quatre câlins sur le coussin. On négocie avec les mains. Un cadre serré sur tes pieds. Sur mes appuis, les yeux fermés. Devant la pluie, rien n'est cerné. Et le tonnerre vient à gronder. Si peu de luminosité, je ne peux plus hésiter. Si peu d'humilité, je ne veux plus exister. Si je pouvais tout donner, je n'en voudrais plus jamais. Si j'avais tout cassé, je n'aurais pas fait exprès. Lire dans mes pensées serait une mauvaise idée. Vivre dans le passé, ce n'est pas la réalité. Rire et s'aimer pour oublier. Courir, céder, pour surmonter. La main ouverte, je te retiens. Pour faire tomber la gravité. À trop pousser, je vais te stresser. Je te repousserai si t'es pressé. Je lâche prise sur ton emprise. Les pieds au bord du décor. Me caressant la brise. Encore et encore. Je connais plus la météo. Ici le vent hurle très haut. Ce qui est grave. Ici, et léger là-bas, ce qui est rarissime, est inconnu pour moi. Pressé avec amour, cette orange me démange. Vivre avec nuit et jour enfermé avec les anges. L'enfer me ment. L'enfer me ment. L'enfer me ment. Mais l'Éden me sourit intimement. Vois-tu dehors, vois-tu dedans. Quand je m'endors, vois-tu devant. Cet étrange rituel dans le firmament. Je me balade dans une ruelle, c'est un fort moment. Un ciel cruel à cœur ouvert dans cet enfermement. La brise, le vent, l'emprise me ment. L'enfer me ment. Ton emprise me brise. Lâche prise. Les forces, les frères, l'équilibre, gravité. Négocions les forces. Luminosité, intimité, météo, nuage, orage, stress, paresse, vie, nuit. Défiance, jour, distance, amour, défiance, distance, partir, revenir, pousser, presser, gravité, retenir, l'avenir, s'en aller et s'aimer.